Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy, a rassuré le 23 juin les députés venus s'enquérir des nouvelles sur la gestion de la réserve naturelle de Dahlia Effleur, apprend-on de l'AIP. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Jean-Luc Assy, a rassuré des émissaires de l'Assemblée nationale, notamment la commission Recherche, Sciences, Technologie et Environnement, KERST, sur la gestion de la réserve naturelle de Dahlia Effleur, qui a défrayé la chronique. Ce qu'a dit le ministre Assy au député Monsieur Assy a accordé jeudi 23 juin 2022, à son cabinet à Abidjan, une audience à ses élus de la nation venus s'enquérir amplement sur le statut et les dispositions réglementaires qui encadrent la gestion de cette réserve en particulier, et au-delà, de tout le réseau des parcs et réserves de la Côte d'Ivoire. Il a rappelé qu'au regard de l'article 2 de la loi 2002-102 du 11 février 2002, la sauvegarde du patrimoine naturel est d'intérêt général et constitue l'un des objectifs prioritaires de la nation. Dahlia Effleur a été mise sous statut de protection par le décret numéro 2013-127 du 20 février 2013. Selon cette loi, les aires protégées, telles que la réserve naturelle de Dahlia Effleur, sont gérées dans le but de la conservation in situ des écosystèmes naturels d'espèces, des peuplements ou biotopes spécifiques, a-t-il indiqué, ajoutant que ce sont des espaces de récréation et d'éducation du public où l'abattage et la chasse sont interdits. Dahlia Effleur a été mise sous statut de protection par le décret numéro 2013-127 du 20 février 2013. La réserve dispose ainsi d'un plan d'aménagement arrimé à des objectifs de préservation, de sorte que les activités qui y sont menées obéissent à ce cadre et visent la protection de la diversité biologique in situ, relève Théon. Lire aussi Côte d'Ivoire, de nouvelles révélations sur l'affaire dite trafic de drogue, au regard du statut actuel de la réserve naturelle de Dahlia Effleur, elle ne peut faire l'objet d'aucune forme de cession ou de valorisation contraire à son objectif de préservation défini dans le plan d'aménagement et de gestion de cette aire protégée, a assuré Jean-Luc Assy. Face à ses hôtes, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a affirmé que la réserve naturelle de Dahlia Effleur ne peut et ne sera pas détruite pour faire place à la construction du projet d'établissement hôtelier. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention sur la diversité biologique, le 14 novembre 1994. Dans le cadre des objectifs d'Aichi sur la sauvegarde de la biodiversité, tous les pays, y compris la Côte d'Ivoire, se sont engagés à dédier 17% pour de leur territoire à la conservation des aires protégées. Tous ces engagements internationaux et nationaux visent un modèle économique axé sur la durabilité du principal moteur de développement du pays, notamment l'agriculture. La Côte d'Ivoire s'engage à reconstituer 20% de son couvert forestier à l'horizon 2030. C'est à juste titre que l'engagement du pays à reconstituer 20% de son couvert forestier d'ici 2030 a marqué les esprits lors de la COP26 de Glasgow. Les enjeux économiques, sociaux et culturels liés à la qualité de l'environnement sont immenses et bien documentés. Le ministre a salué la démarche entreprise par la délégation des parlementaires. Il s'est félicité de la conscience environnementale qui s'implante dans le quotidien des populations et a souhaité que les réactions suscitées ne se limitent pas seulement à la sauvegarde du patrimoine forestier, mais que celles-ci prennent en compte tous les aspects de l'environnement et du développement durable. Le directeur général de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, le général Adama Tondo-Sama, à l'issue d'une présentation sur le statut, les enjeux et les perspectives liées au cadre de gestion de la réserve, a fait remarquer que, tout projet à l'intérieur ou à l'extérieur de la réserve est soumis à une étude d'impact environnemental et social. Source, AIP.